Bonsoir. Un petit message pour toi. Je veux juste te dire que c'est super intéressant et c'est super important. En fait, j'ai un problème. Bon, je vais juste parler haute voix. Là, j'ai un problème de. Mais qui je suis pour vous dire quoi que ce soit, en fait? Il y a ça qui vient. Genre, mais t'es qui toi? Pourquoi tu veux. Tu te prends pour qui? Eh bien, je me prends pour une queen. Et la queen et la reine, elle veut vous laisser un petit message. Et j'ai envie de te tutoyer. Yes, because I am a queen. Bon. Si une inspiration revient, j'en enregistrerai un autre, mais en tout cas, j'ai déjà trouvé l'endroit où j'enregistre maintenant mes petits messages. Ouais. Ça me va parfaitement. Je me sens à l'aise. C'est dans un petit endroit. Dans mon appartement. Je me sens en cocooning, je me sens rassurée, je me sens bien. Et j'essaye de trouver ma voix pour pouvoir passer mon message, mais c'est pas facile des c'est pas facile parce que je veux être sûre d'être authentique, je veux être sûre que tu entends mon cœur, mais aussi je veux t'impacter, je veux t'impacter à devenir meilleure, je veux t'impacter à prendre soin de toi. On dit impact en français des fois quand je parle en français, bref, je veux t'inspirer. Bienvenue sur la petite inspiration, mais qu'on ne va pas appeler l'inspiration. La seule constante qui existe, c'est le changement. Même si tu essaies d'avoir le même jour que tu as eu, demain tu ne pourras pas, parce que tout change. Même si tu te réveilles au même endroit, même si tu mets les mêmes habits, même si tu manges, on va même un peu plus, même si tu manges la même chose, ta journée ne sera pas pareille. Parce que les choses changent et on avance. Et on évolue. Et la planète, elle avance. Et là, elle avance dans une fréquence qui est très importante. On est en train de traverser un gros changement planétaire, une nouvelle ère qui est née. Et au milieu de tout ça, en vue d'extérieur, ça paraît d'être le chaos, mais tout va bien aller. À partir du moment où tu as les yeux ouverts et tu prends soin de toi, parce que ça commence par toi. Bien évidemment, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Par exemple, faire du sport, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, ça serait trop cool. Mais non, il n'y a que mon corps qui peut le faire. Et si on est là, c'est, il n'y a pas de hasard. Même si tu as l'impression que ta vie, elle vaut rien, que tu n'as rien apporté dans la vie, que tu peux rien changer ou que t'es pas né pour inspirer les autres et que t'es une erreur dans le système, ben non, t'es pas une erreur. Tout a été calculé avant que t'arrives. Ce qui s'est passé, c'est qu'on t'a programmé pour croire que tu n'étais pas assez.
Au départ, c'est un programme. Selon là où tu es né, là où tu habites, il y a un programme. En espérant que les gens qui t'ont élevé t'ont guidé vers le droit chemin. Si tu as été entouré ou pas. Et là, il est l'heure de se déprogrammer. Parce qu'en fait, c'est comme si on jouait un jeu, quoi. C'est le jeu de la vie. Mais c'est un drôle de jeu, quand même. Mais au moins, je trouve que ça va au niveau des règles. Parce que heureusement que c'est nous qui pouvons changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que va savoir ce que ton voisin allait te donner. Heureusement qu'on est programmé à ressentir l'amour et le bonheur et la joie et la passion et l'aventure. Il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir, des créations. Moi, je sais que avant de venir, on a dit, ok, en 2022, il va se passer quoi? Quoi? En 2022? Ok, c'est bon, ouais, moi je le sens bien, je le sens bien, t'inquiète. Et puis on te dit, non, mais tu vas oublier quand tu vas arriver sur Terre et tout, va falloir que tu te rappelles et tout de ce que tu dois faire de ta mission. Et tu vas dire, non, mais même si j'oublie, je m'en souvenir. Et je ferai attention. Je suis forte et je suis fort et je suis... J'ai choisi d'être là dans une période difficile, une période de transition. Parce que je sais que je peux le faire. Et tu peux le faire. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et quand tu commences à ouvrir les yeux, à être aware. Comment on traduit aware? Bon, je vais pas regarder sur mon téléphone tout de suite, mais quand tu commences à faire attention, à ne pas croire tout ce qu'on te dit d'une fois, mais de faire tes recherches. Quand tu commences à faire des recherches, tu commences à voir qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, qui n'ont aucun sens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est beaucoup à se réveiller. On est tous en train de se lever, on est en train de se réveiller, donc il faut qu'on s'unisse et qu'on ne perde pas la trace, qu'on n'est pas seul à se sentir comme qu'on n'est pas seul. Ce que tu ressens, il y a quelqu'un d'autre qui le reçoit. À des milliers de kilomètres ou peut-être à côté de chez toi. Parce qu'on est quand même prédictible. Et ça fait partie de l'être humain. On a tous des émotions. On a une liste d'émotions, on est programmé comme ça. Donc si tu as des émotions qui ne sont pas très très bonnes, qui sont un peu négatives, sache que tu n'es pas seul à ressentir ça, même si tu te sens seul. Tu sais que quand tu fais une méditation, tu te connectes avec quelqu'un d'autre dans le monde qui médite. T'es pas seul. Il faut juste ouvrir les yeux. Craquer le code. Ça marche pas trop en français, craquer le code. Crack the code. Bon, j'ai pas de mots. Regarder les synchronicités, essayer de comprendre les messages. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il ne faut pas les ignorer. Et sache que si tu ne te sens pas bien aujourd'hui, la seule constante, c'est le changement. Donc ça ira mieux demain. Même si demain, c'est dans une semaine, c'est pas grave. Tout change, les saisons, elles changent, tout change. Mais il y a une partie qui est très importante, c'est la partie où toi, tu dois prendre soin de toi. Commence par reprogrammer tes pensées.
Parce que heureusement, on peut juste mettre un autre disque et changer notre aventure. Mais ça commence déjà par être reconnaissant pour la moindre petite chose. Si t'es ici, t'es sur Terre, et t'es vivant aujourd'hui, sois reconnaissant. Et mon ami qui m'a appelé pour me dire que son grand-père est décédé aujourd'hui. Et ça m'a touchée parce qu'il m'avait envoyé beaucoup de vidéos dans le passé, parce qu'il adorait danser, et vu que j'aime danser, donc j'ai... Et j'étais contente de le voir parce que il est parti à 102 ans. Franchement, c'est... Il a dépassé les 100 ans. Et je trouve ça super bien. Parce qu'en plus, il est en pleine forme. Et je sais que c'est parce que mentalement, il était là. Il faisait ce qu'il aimait. Il adorait voir sa famille. Il avait travaillé sur lui parce que pour...